Nous revoilà. Bon. Ah, vous êtes lourde. Putain, t'es ouf. Je veux qu'elle m'a vite maintenant. C'est le stress qui vous fait faire des bêtises. Non, c'est toi. Ah bah non, mais je suis tout calme. T'as un petit peu débranché. J'ai rien fait. Je suis mort. Bon, salut tout le monde. Est-ce que Kim, la reine du zouk, on m'a dit Kim, c'est la queen du zouk. Et tout le monde le dit depuis tout à l'heure. Je veux la voir. Donovan, bouge pas juste après, frérot. Ensuite, on va enchaîner les talents. On va enchaîner Shana qui va nous présenter son dernier son, les gars. Il va y avoir plein de surprises. Ça va être énorme. J'attends un petit message de Kim. Kim, es-tu là? J'ai pas vu de message. Ah, il y a marqué bug. On bug? Yes, la queen du zouk. Est-ce que Kim est là? Il faut le temps que tout le monde revienne. C'était l'entracte. Aya, coucou tout le monde, elle a dit la baisse. Ça va, alhamdoulilah. J'espère que toi aussi, j'espère que tout le monde va bien. Je peux chanter et non, vous buguez pas. Alors, merci pour l'info. Ensuite, pour chanter, il faut envoyer un message à Live Your Song. Je vous le mets ici. Vous envoyez le message, vous envoyez la vidéo. Je vous avoue qu'il ne reste plus beaucoup de place. On a eu énormément de demandes. Et j'arrive pas à répondre à tout le monde parce qu'il y a trop de demandes. Je fais de mon mieux. Est-ce qu'on prendrait pas peut-être... Hakim Anaba. On va parler arabe tout à l'heure. Est-ce qu'on prendrait pas peut-être un artiste le temps que Kim arrive? Écoute, le temps que Kim arrive, on va prendre Donovan. Parce que je lui ai promis de pas trop traîner. Et vu que Kim n'est pas là, on la prendra tout à l'heure. Donovan, je sais qu'il est là. Je l'ai vu. Et il est attendu. Hop, il va nous faire un petit passage. Et peut-être que plus tard, il nous fera une grosse surprise. Mais là, il va nous faire rêver. Est-ce que tu es capable, Donovan? Mon frérot! Salut! Ça va ou quoi? Ça va et toi? Tranquille? Ah, t'es ouf, trop bien. Frérot, j'ai une question pour toi. Est-ce que t'es très bon en magie? Là, ça sent le défi de merde. Mais je suis... Ouais, ça va. Est-ce que t'es capable de faire apparaître dans ma gorge une belle voix? Est-ce que t'es capable de te transformer en chanteur? Faut voir si t'es doué ou pas, frérot. Je suis... Mais non, en fait, j'ai des potes marabouts. Je peux essayer avec eux, si tu veux. Là, comme ça, c'est... Je t'avoue qu'ils seront plus amenés à m'aider, je pense. Voilà. Il y a des gens qui disent ça bug. Est-ce qu'on bug? Moi, je te vois bien. Il y a quelqu'un qui a dit, pour ceux qui bug, quittez et revenez. Il y a quelqu'un qui a dit, c'est vos têtes qui bug. Peut-être. Mon frérot, qu'est-ce que tu nous as préparé? Alors, on dirait un cuisinier un peu, tu vois. Je vais commencer par un truc assez visuel, comme la dernière fois. Comme ça, les gens, voilà, ils savent plus ou moins à quoi s'attendre. Très simple, tu sais ce que ça va être. Tu sais très bien, voilà, mais... Alors, préparez-vous. Ça commence. C'est petit échauffement. C'est, voilà, juste Rubik's Cube mélangé. Voilà ce que j'ai fait pendant le confinement. Je me suis entraîné à faire ça. Je l'avais déjà vu celui-là, il est incompréhensible. On va pas se mentir. En plus, honnêtement, il est normal. Le Rubik's Cube, tu peux l'exercer. Enfin, là, non, mais tu pourrais. Si je te vois, je te le donne. Il est normal, vraiment. Ok. T'es prêt pour la suite? Ouais. Ok, alors écoute-moi bien. On va faire un truc très très simple. Je vais te demander de me dire pour commencer soit rouge, soit noir. C'est comme tu veux. Ah, tu commences. On est parti. Noir. Je suis habillé en noir. Ok, parfait. Dans les cartes noires, il y a les piques et les trèfles. Tu veux pique ou trèfle? Poupée, pique ou trèfle? Pique. Pique. Dis-moi n'importe quelle carte de symbole pique, celle que tu veux. Genre le 6, c'est génial. Le quoi? Le 7. 7 de pique. 7 de pique. Non, on change. On change. On met dans la merde. 6. 6 de pique. Ouais. C'est l'exprès. Ok, je vais faire un autre tour alors. Non. Regarde ça. Je baisse un petit peu l'écran. Ok, tu m'as dit 6 de pique. Regarde, j'ouvre la boîte. Regarde ça. Tu m'as dit 6 de pique. Et dans le paquet,
il y a une carte qui est retournée. Une seule, Non. juste ici, tu vois. Frère, J'allais hé, juste ici en au moment, attendant un je peu. vais t'insulter. Je vais Les jeux. t'insulter, frérot. Vas-y, c'est l'habitude. 6 de Non, ça pique. peut pas être, ça peut pas être ça. C'est impossible. Mais c'est un truc de malade, il me rend. Cet enfoiré. Eh, il y avait une carte coupée. Une carte dans tout le paquet qui était retournée, putain. Une. 6 de pique. Mais en fait, je crois que c'est un truc un peu mentalisme parce que Mais tout quel à l'heure, il a dit. mentalisme! Non, parce que tout à l'heure, il a dit surtout pas le 6. J'ai dit le 7. Il a dit non, non, pas le 7. Du coup, moi, inconsciemment, Ah bah pour dire le mouf. français, j'ai dit le 6 et voilà, c'était le 6. Peut-être tu rends ouf, frérot, je te mens pas, tu Frérot, rends ouf. je vais te montrer un tour. Alors, les gens qui regardent ce live, fumer, c'est vraiment horrible. Tu comprends, tu comprends pourquoi je dis ça. Fumer, c'est nul. C'est vraiment un chier. Ok, mais observez. Si tu veux, j'ai un truc pour gagner de l'argent. Regarde. C'est hyper bizarre en fait. Tu vois la boîte? Hein? Regarde ça. Ouais, c'est une clope, quoi. Elle s'arrête quand? T'as vu? Attends, t'as vu la taille du truc? Ça rentre même pas à la base, frérot. Ça rentre pas physiquement, tu vois ce que je veux dire? Mais le pire, c'est pas ça, frérot. Le pire, c'est quand tu fais ça. Là, tu fais vraiment bugger les gens. Tu vois ce qu'il Là, a tu fait? gagnes Il a 6 millions ouvert de le losers. paquet. Mais Non, c'est un fou. le paquet il est plein Le maintenant. paquet, il est plein. Bah, ma mère, elle est en train de te demander un paquet. Tu peux lui en envoyer? Ouais, je vois l'adresse. Il y a un truc que tu peux faire aussi avec la clope. Tu prends la clope, tu la mets sous le coude et je te jure, elle disparaît quand tu la places sous le coude. Regarde ça. Tu prends la clope, tu fais 1, 2, 3, disparu. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. T'es trop Alors. fort. Ah, elle est dans l'oreille, le con, je l'avais pas fait. Ok. Frérot, t'es énorme. T'es énorme. Vas-y, fais-nous-en un dernier et après, je te reprendrai tout à l'heure. Ok, ça marche, ça marche. Pas de soucis. T'es prêt? Vas-y. Ok. Alors vas-y, je vais faire un truc. Attends, je réfléchis à un truc qui est bien. Ok, tu me reprends tout à l'heure ou on refait ça demain? Tout à l'heure, t'es sûr? Ouais. Ok, comme ça, non, parce que tu sais, il faut un final un peu, donc j'essaie de faire crescendo. Ok, ça marche. Vas-y. Je mélange un peu les cartes, ok? Donc les cartes sont totalement différentes. Tu vas me dire stop vraiment quand tu veux. Quand tu veux. C'est bon. Est-ce que tu vois la... Bon, je la vois aussi du coup, vu qu'il y a le truc, mais est-ce que tu la vois bien? Ah ouais. 7 de carreau, regarde ça. Je la pose juste sur le paquet. Tu vois qu'il n'y a pas de manipulation chelou ou quoi, juste je la mets dans le jeu. Et en faisant ça, frérot, il y a simplement, vraiment rien de bizarre. Il y a juste une carte ici qui devient bleue. Juste là, tu vois. Je me suis planté. Non, mais en vrai, je me suis peut-être planté. Il y a moyen, mais je crois que. Ouais, 7 de carreau. Ça, c'est la Putain, première c'est partie marrant, du tour. c'est un truc de fou. Mais C'est la frérot, t'es première un partie. genoun. J'aimerais bien que t'es un genoun. T'es. Ça, c'est Hey, juste je la le première partie. déteste. Regarde ça. Regarde ça. Je vais m'arrêter là-dessus, regarde. Le 7 de carreau, bon, du coup, il est bleu, tu vois. Je vais le laisser juste à l'intérieur de la boîte, juste ici. Et je crois que si je la mets là, on la voit. Donc, je vais laisser ça là. On la voit bien. Yes, elle ne bouge pas. Il n'y a personne derrière la fenêtre. Hein. Maintenant, Ouais. tu vas me dire stop quand tu veux. C'est bon. Celle-là, c'est ta nouvelle carte. Ah ouais, 8 de carreau. OK? OK. Regarde ça. Si je fais ça. Oui, ça va être chiant à ramasser, mais. C'est un 7 à la base. Hein. Mais attends, elle est bleue, frérot, c'est chiant, elle est bleue, je peux plus la remettre dans le paquet. Attends, je vais changer ça si tu permets en 2 secondes. Tu la vois, elle est bleue, elle est bleue. Là, on Mais est c'est mieux. pas possible! Hey, Là, je j'ai peux la envie de remettre, comme ça, je suis t'insulter, tranquille, tu enfoiré vois. de merde! Tu me rends fou! Tu me rends. Hey, la dernière fois, tu m'as fait des tours, c'était même pas à ce niveau-là! C'est ouf ce que tu es en train de me faire là! Putain! Ça va trop vite! T'es un phénomène! Hey, frérot! Reste connecté, tu nous donnes tes avis pour les chanteurs, ok? Ouais, ça marche, pas de soucis. Gros bisous Compte à sur tout à moi. l'heure, À frérot. tous. Ciao. Putain, il m'a mis dans un état de nerf. Je vais être obligé de me venger maintenant. Je vais être un jury intransigeant. Putain, il m'a rendu ouf. Coupé. Un jury quoi? Invite-moi, intransigeant. Invite-moi le prochain talent. S'il te plaît. Oh là là, il m'a buté. Il m'a buté. Il y a Kim. Kim, on prend tout juste après. On prend un talent, on prend juste après. Ah, ils n'ont pas envoyé dedans? Si, si. Ah, ok. Allez, donne. Ok. Hop, hop. Ok, très bien. Hop, hop. Eh, Bon, DJ Leska, t'as vu frérot, trop fort. Même ma cousine a dit. Il est trop fort comment il fait. Il me rend ouf. Il me rend ouf.
une bombe atomique avec ta soeur. Oh, coucou! Coucou! Comment ça va? Bien et toi? Tranquille? Ouais. Tu t'es faite toute belle pour nous? On a essayé, enfin un peu problème de coiffeur, mais c'est pas grave. Non, t'es très bien. Comment tu t'appelles? D'où tu viens? Je m'appelle Claudia, je viens de Toulouse. J'ai 16 ans et je suis en première générale. Voilà. Et première générale. Tu as participé à The Voice cette année. Bon, j'ai été jusqu'au fauteuil, mais ils se sont pas retournés, mais bon. Bravo! Ouais, c'est super! Franchement, ouais. Bravo! C'est qui s'est pas retourné? Personne, mais personne s'est pas retourné en fait. J'ai eu zéro. Non, mais il y avait qui? Il y avait qui, Pascal Obispo, Anne ouais. Bell, Lara ouais. Fabian et Marc Lavoine. Je leur ai tout appris à ceux-là, c'est des ingrats. C'est des ingrats. Écoute, là, tu es devant des vrais jurys. Là, tu vois, là, il y a quelque chose. Là, je rigole. Allez. Tu vas nous chanter quoi? Ben justement, je voulais votre avis. Qu'est-ce que vous préférez entre un truc qui bouge plus, donc Dua Lipa Physical, ou un truc plus rap smooth, Riless? Je ne sais pas si vous connaissez. D'ailleurs, je connais aucune des deux. Non, je rigole. Si tu vas les chanter, je vais les reconnaître. Mais là, de nom, je t'avoue que non, je ne vois pas. Ben, une qui bouge plus ou une qui bouge moins? Qui bouge bien. En fait, là où on entend le mieux ta voix, c'est ce qui compte. Il faut que JSK il entende ton timbre de voix. Ok. Parce que je m'étais préparée pour une longue chanson, moi. Donc, allez. Du coup, je vais vous chanter une chanson de Dua Lipa. J'espère que allez. Vous me dites si on entend bien le son. Alors, attendez. Il y a un petit accent, vous savez. Il y a un accent prononcé. Allez, je te cause. Ah, tu parles à moi. Un mouf. Quand tu veux. Bravo! Merci beaucoup, merci. Bravo, j'ai beaucoup aimé. Grave. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité, franchement. Avec grand plaisir. Bravo à toi, vraiment, tu cartonnes. Merci Écoute, beaucoup. De toute façon, DJ Leska, il va tout nous dire. Reste branché, comme ça, tu auras la réponse fin de soirée. Ok? Merci. Je vous fais des gros bisous. Bisous. Merci, gros bisous. Ciao. Ciao, ciao. Alors, depuis tout à l'heure, il y a Kim qui attend. Kayla Samet, elle a kiffé. Même Isabelle, elle a mis popopo. Kim. Kim is in the place. Loris, il a dit ouf, trop beau. Quelqu'un, il a mis un pouce. J'ai envoyé une demande à Kim. Six, il a dit pas mal à l'idée. Kim, en attente. Ramous, pourquoi tu dis comme moi, genre? C'est Isabelle, ça. Ça va commencer à se tailler, t'as vu? Ah, Kim qui répond pas. Mais j'ai mon prochain artiste qui attend. Vas-y, c'est parti. C'est parti. Et juste après, on va prendre Shana. Après, on va faire monter DJ Leska. Et ensuite, on aura Shana. Salut. Salut la team. Ça va toi? Ça va, tranquillez-vous. Je kiffe ton chapeau, poteau. Merci, Jo. Comment tu t'appelles, frérot? Alors, Zonko.
Voilà, moi je viens du Maine-et-Loire, donc je suis dans le 49, Cholet. À côté d'Angers, Nantes, tout ça, voilà. Ok, la pluie, tout ça. Voilà. C'est ça, c'est ça. On a un peu. Qu'est-ce que tu vas nous chanter? Alors ce soir, je vais vous faire un petit medley. Je vais mélanger plusieurs styles. Ouais. Plusieurs délires. Donc il y aura un peu de Maître Gims. Donc Jasmine de Maître Gims. Mortel. Il y aura un peu d'Ayana Kamura, tout ça. Voilà, on va s'en jaillir tranquillement. Mortel. Est-ce que tu arrives à poser le téléphone ou est-ce que tu vas le tenir? Je vais le tenir, ouais. Allez, ok. Ok, ok. Ça marche. Je vais couper. Non, c'était pas tout de suite. Si, c'est bon. J'ai juste coupé les commentaires pour que tu sois tranquille. Ah, yes, ok, ok. Ça marche. Je pensais que c'était pas bon. T'inquiète, quand tu veux. Ça marche. Quand je t'ai vu, je suis resté sans voix, baby. Les yeux me diront si tu ne m'aimes plus, baby. Voici. Yeah. Oumaye. Je reconnais ton visage de jour comme de nuit. Tu me rappelles pas quand, princesse Jasmine. Tu sais déjà tout de moi. Classique, la street, Oumaye, Oumaye, Oumaye. Ok, on va songer un peu. Il y a Pouki. On est là ou quoi? Pouki, Pouki, Pouki. Elle dit qu'elle m'aime à la folie. Il y avait une Diolani qui a un yacht à Miami. Elle dit qu'elle m'aime à la folie, qu'elle veut une Diolani, qui a un yacht à Miami. Elle aime l'argent sale, ouais, c'est ça son problème. Elle connaît pas PayPal, elle veut l'argent dans la malle. Elle aime l'argent sale, ouais, c'est ça son problème. Elle connaît pas PayPal, elle veut l'argent dans la malle. Tite, choin, bang, bang, on joue pas avec quoi, non, bang, bang, bang. Tite, choin, bang, bang, on joue pas avec quoi, non, bang, bang, bang. Elle dit qu'elle m'aime à la folie, qu'elle veut une Diolani, qui a un yacht à Miami. Hey. Elle dit qu'elle m'aime à la folie, qu'elle veut une Diolani, qui a un yacht à Miami. Aïe, aïe, j'ai vu dans ça depuis longtemps, ouais, j'ai vu dans ça. Aïe, aïe, j'ai vu dans ça. Baga ou non, j'ai vu dans ça. Elle dit qu'elle m'aime à la folie, qu'elle une Diolani, qui a un yacht à Miami. Elle dit qu'elle m'aime à la folie, qu'elle une Diolani, qui a un yacht à Miami. Bam, bam. Bravo, frérot. T'as un sacré timbre de voix, frérot. Rien à dire. Bravo, 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 la famille. Merci, ça fait plaisir. C'est toi qui as improvisé tout ça. Comment? C'est toi qui as improvisé tout ça. C'est moi qui ai improvisé tout ça, ouais, voilà. C'est bon. Bravo, mon ref. Écoute, reste branché. Ça fait plaisir. Reste branché, on te dira tout ça. Ça marche. En tout cas, merci voilà, pour l'invite et tout. Hey, juste plaisir. Une petite question. Là, la dernière chanson, là, c'était un message visé ou pas? On en repart. Ciao mon ref, merci. Ok, merci, on est ensemble. T'es à tout à l'heure. Big up. Alors attends, parce que DJ Leska il m'a dit. Alors attends, DJ Leska il m'a dit Kim est là. Kim, je t'envoie une demande depuis tout à l'heure, mais malheureusement, t'acceptes pas. Ouais. Attends. Salut. Vas-y. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Attends, j'ai retrouvé un son, mais. Vas-y. Ouais. C'est toi que j'ai. Ça va ou quoi? Ça va, tranquille, hein, je suis votre live depuis tout à l'heure, là, c'est cool. Hein. Ah, t'es au top. T'es en Wi-Fi ou en 4G? Non, je suis en 4G, mais comme on est en direct des studios et qu'on est un peu en sous-sol, je pense que c'est pour ça que ça bug un peu. Et, tu vois, j'essaye de me connecter depuis tout à l'heure, mais ça bug. Ouais, ok. Et là, du coup, t'enregistres, là, ça y est, c'est reparti le travail? Ouais. On a passé la journée en studio, on a composé aujourd'hui. Et puis voilà, quoi. Ça va, ça avance tranquillement, c'est cool. Je t'explique, DJ Leska il m'a dit, et de toute façon tout le monde l'a confirmé depuis tout à l'heure, Kim c'est la reine du zouk.
C'est la queen. Paraît, tout le monde te kiffe. Tout le monde te kiffe. Ça fait plaisir. Les gens, ils me suivent depuis maintenant 10 ans. Hein. Ça fait plaisir. Hein. C'est beau. T'as une sacrée voix, en tout cas. C'est un truc de ouf. Qu'est-ce que tu penses de tous ceux qui sont passés jusqu'à maintenant? Ben franchement, j'en parlais justement là avec mon producteur et tout et tout. Je me dis, la jeunesse de maintenant là, franchement, elle continue d'innover et elle est vraiment talentueuse, hein, tu vois. Les gens, ils payent pas de mine, mais ils ont des vrais talents. Franchement, c'est cool. Ouais. C'est ça, et c'est pour ça que c'est pour ça qu'avec DJ Leska, en fait, on avait envie de faire ça avec ma petite sœur aussi, parce que clairement, ouais, ben, on sait qu'il y a des talents partout, quoi. Mais c'est ça, et leur donner la chance aujourd'hui d'émerger, de se produire un peu, parce que c'est pas donné à tout le monde de se produire là devant 3000 personnes quand même, tu vois, c'est un petit challenge aussi pour eux, c'est un défi, c'est cool, c'est une expérience. Comme il y a tout le monde qui est là, il y a Mams Diakité qui est là, qui dit Kim notre enfance, c'est mignon ça. Ah, ça bug, connexion de studio, notre enfance avec le titre Mon Ami. Allô? Ouais. Ça a bugué un peu. Bon, et du coup, c'est comment? Tu travailles en studio, là? Ouais, c'est ça. On a posé dans le cadre de mon troisième album. Là, on est en préparation. Ça sort en 2021. C'est un double album. Donc, il y aura un côté totalement zouk et un côté un peu plus urbain avec des nouvelles collaborations, tout ça. Et il y a moyen d'avoir juste deux, trois mots, une petite exclu, un petit son? Juste, ouais, carrément, Vas-y, Christophe, tu balance-moi un mytho. Ça, c'est une dédicace, tu vois, à tous les mecs qui s'inventent des vies, tu vois, parce qu'il y a des mecs qui s'inventent des vies quand même aujourd'hui, tu vois. Et donc, ça, c'est une dédicace pour eux. Vas-y, balance le son. Attends, je vais enlever les commentaires, mortel. Ça s'appelle mytho et c'est pour tous les mythos, en vrai, tu vois. Je suis pas concerné. Non, qu'on soit bien d'accord. J'entends dire que t'as checké le matos, que t'as posé tes mains sur mes cuisses. Pareil que tu connais chacune des courbes de ma chute, de rachute, de rachute. À ce qui paraît, je suis à tes pieds, totalement piqué, prêt à tout pour te garder. À te croire, je veux te marier, je t'appelle mon bébé, prêt à tout pour te garder. On ne se connaît même pas. Ton prénom, je connais même pas. Même pas. En vrai, tu n'es qu'un mytho. Man, t'es qu'un mytho. En vrai, tu n'es qu'un mytho. Man, t'es qu'un mytho. Voilà. Bravo. Donc voilà. Hey, ça va cartonner, ça. Merci. Ça sort en 2021, ça? Non, ça sort bien avant. Ce sera à retrouver sur mon projet qui sort en 2021, mais c'est l'un des prochains singles qu'on va sortir. Donc voilà, j'espère. Tu diras DJ Leska et. Ouais, carrément. D'ailleurs, big up à Leska, franchement. Je booste son projet et on se retrouvera très prochainement, j'en suis sûre, pour des collabs. Et j'espère que tout le monde viendra me voir sur scène et chantera En vrai, tu n'es qu'un mytho. Man, t'es qu'un mytho. En vrai, tu n'es qu'un mytho. Man, t'es qu'un mytho. Eh, y a Adil Rami, il a dit pourquoi je me sens visé. Si tu te sens visé, je ne sais pas, pose-toi des questions. Hein. Je suis mort. Mais en tout cas, sachez que j'oublie pas toutes les personnes qui m'ont connu et qui m'ont connu sur du zouk. Et c'est pour ça que vraiment, si tu me permets, je tenais quand même à vous faire un petit extrait d'un single qu'on a enregistré hier pour le coup et qui s'appelle De toi. Et ça fait juste ça, vas-y, balance-moi ça. Et t'as vu, je crois qu'on est tous un peu lover dans l'âme, tu vois. C'est ouf. Donc, on n'oublie pas. Baisse un peu comme ça, je leur fais un acte, tu vois. Il faut qu'ils m'entendent un peu quand même, tu vois. Ne peut me faire oublier. Et tes mots, toutes tes infidélités, c'est pour toi, Adil, ça. Je te supportais, donner, et je l'ai fait pour toi. Je me suis oubliée, jamais assez pour toi. Je ne saurais te dire pour toi, je ne saurais te dire si on ira plus loin, toi et moi, de toi, de toi.
avec le meilleur de toi, et sans douleur de toi, non, non, ton amour est bien plus encore. Voilà. Magnifique. Eh, c'est canon, j'ai kiffé. Eh, autant pour moi, mais je vois qu'avec Adil Rami, vous vous envoyez des petits tacles depuis tout à l'heure. Ah non, jamais de la vie. Ah, salut. Bon, on m'a dit, à ce qui paraît, dans mon prochain clip, tu vois, on va le mettre, tu vois. Comme ça, il aura une raison. Ah, tu vas mettre Adil dans le prochain clip? Bah ouais, pourquoi pas. Eh, ils se sont concernés, ils se sont concernés jusqu'au bout. Est-ce qu'il va assumer? Telle est la question. Mais Adil, t'as vu, on se regarde face to face. Est-ce que t'assumes? Si t'assumes, go, let's go dans le clip. Hey, je veux absolument savoir s'il y a des messages visés, s'il y a des trucs derrière tout ça, ou si c'est juste improvisé. Non, jamais, non, tout bien, tout honneur. Ouh là là, moi je suis mariée, tout ça, il n'y a pas de souci, hein, t'inquiète pas. D'accord. Adil, il rigole, rien qu'il rigole. Frérot, t'as posé une question. Adil, on t'a posé une question. On ne veut pas que tu rigoles, on veut savoir. Est-ce que tu vas dans le clip? De quoi? De vrai, mytho? C'est ça, est-ce que tu te sens concerné? Est-ce qu'en vrai, tu n'es qu'un mythomane? Tu vois? Hey, je suis mort. Bon, en tout cas, merci beaucoup, beaucoup. T'es bah, au merci top. À vous, franchement. Merci à toi, merci à toute l'équipe. Gros bisous à tous. Et il y a pas de bisous à vous aussi. Tu repasses quand tu peux, quand tu veux. Merci beaucoup. Merci. Gros bisous. Bisous. Merci hein, pour ce que vous faites. Et franchement, continue à faire ce que vous faites. C'est aussi grâce à des actions comme ça qu'on découvre chaque jour des talents. Donc franchement, boostant à fond. Et l'ESCA, on se tient au jeu. Allez, bisous à vous en tout bisous, cas. Bisous, bisous. Bisous. Bon, on va prendre un prochain talent. Yeah. Je vais prendre vraiment vite fait. Adil, frérot, je te garde pas trop longtemps. On a les talents qui attendent, mais tu es obligé de me dire si tu signes le contrat ou pas pour le clip. Tu es obligé de me dire, frérot. C'est la base. C'est la base. Il faut que tu me dises. Tu vois ce qu'il va se dire. Adil, c'est signé ou pas? On l'a prévient que tu es dans le prochain clip. Vas-y, invite pour le prochain talent. Allez. D'ailleurs, Adil il sera parmi nous demain. Demain, il sera invité pour le live Your Song, les gars. Demain, on a une soirée avec beaucoup, beaucoup de sportifs et Adil en fait partie. Adil, il m'a dit, frérot, je suis aux toilettes, c'est un ouf. Trop fou, c'est ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire enfin, par rapport à moi. Allô? Salut! Coucou, ça va? Ça va et vous? Ouais. Nickel, comment tu t'appelles? Ah, ça fait plaisir de vous voir. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Inès, j'ai enchantée. 22 ans, enchantée. Je viens de Bruxelles. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu vas nous chanter? Dance Monkey. Ok, nickel. Assure, parce qu'il y a Shana qui est pas loin et juste après, elle va nous présenter son son et je suis sûr qu'elle va donner son avis et un très bon avis sur toi. Donc ça, je te mets la ça pression. Marche. Je te sens, t'es détendu là, tout va bien. Ouais, ça va. Ça va, un tranquille. Peu le stress, mais c'est plus l'adrénaline qu'autre chose. Donc, Alors, ça va. Écoute, je coupe les commentaires. Ça marche. Et je te laisse commencer quand tu veux. C'est parti. They say, oh my God, I see the way you shine. And take your hand, my day, and place and board in mine. You know you stopped me that when I'm passing by. And now I beg to see you, then just one more time. Ooh, I will see you every time. And on my like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you, then just do one more time. So I say, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, oh. And when you don't, I make you do it all again, oh. Na, na, na. Oh,
Bravo, tout le monde de douceur. T'as une voix merci. Super douce. Tu nous embarques comme ça, comme sur une vague. C'est trop mignon. Merci moi, beaucoup. Moi, je vais faire un peu une autre version, tu vois, un peu plus. Ben, j'aime beaucoup. Bravo. Merci. Et c'est DJ Lesca, de toute façon, qu'il faut que je ramène. Je vais le prendre tout de suite. Ça marche. Pas de souci. Ben, merci beaucoup et merci pour votre concept. Et bisous tous les deux. Et merci pour votre organisation aussi. C'est parfait. Merci. Un gros bisou à toi. Gros bisous. À tout à l'heure. Bisous. À tout à l'heure. Kaïs. Allez, Kaïs, dans des stars. J'ai du beau monde, j'ai du beau monde, ça, je suis contente. Ouais, grave. Ouais, très beau. Ça veut quoi ? Elle est forte, elle, hein, putain. Elle est... Franchement, elle avait une voix. Sa petite voix un peu cassée, un peu, tu vois. Franchement, je suis kiffé de ouf. Elle m'embarque comme fort. Sur une vague, tu vois, comment ? Ouais, genre, t'es. Détendu. Elle est triste de ouf. Et franchement, Claudia aussi, j'ai kiffé. Mais c'est pas trop mon style. La musique un peu pop et tout. Tu vois, moi, je suis plus dans l'urbain. Ouais. Mais si j'aurais été dans l'émission, elle a dit, elle est passée sur The Voice. Je pense que je me serais tourné. Tu vois. Je pense que je me serais tourné. Et bah Kim, frérot, c'est Kim, poteau. Hein. C'est lourd. On a tous zooké sur du Kim. C'est important lourd, de le dire quand même, tu vois. Il y a Nation officielle. Ça change et pas. Le mec qui a chanté aussi juste avant Kim, lui aussi, j'ai kiffé son délire. Il a un bon délire, franchement. En fait, les gens, quand ils reprennent des sons, ils ont tendance à faire comme les artistes. Lui, il a ramené son univers à lui, tu vois, dans Pookie et dans Yasmine. Et c'est ça que j'aurais vraiment le plus kiffé, tu vois. Et moi, je kiffe la dancehall. Il a fait un petit flow dancehall et tout. C'est très, très lourd. Je te mens donc pas, là, frérot, je te mens pas, il y a du niveau, frérot. Là, il y a Anas, il est avec nous. Ouais. Anas, il y a Shana, frérot. On va prendre Shana parce que depuis tout à l'heure, elle attend aussi. Shana, elle va nous présenter parce son fait, son. Anas, il m'a envoyé un message, là, il va devoir bouger. Ouais. Si tu peux juste prendre Anas, il vient pas chanter. Excuse-moi, j'ai bugué. Anas, il vient pas chanter, il vient juste soutenir le projet, frérot. Vas-y. Il vient juste soutenir le projet et dire quelques mots pour les artistes. Allez, ça va. Tout simplement. Je prends Anas. Derrière Shana, il nous présente son son. Voilà, et après Shana, avec les talents. Voilà, bon, continuez à partager la famille, partager le live, c'est important, il faut que ça tourne. C'est ça, partager, envoyer, il y a du monde qui va arriver et on est entre. Et t'inquiète pas, Six, on te prend après Shana, frérot, direct. Vas-y, mon ref. À de suite, mon frère. À tout. Allez, on fait un petit coucou à Anas. Faut que je le trouve aussi. Frérot, est-ce que tu m'envoies une petite demande? Alors, attendez. Anna, je ne te trouve pas, frérot. Est-ce que tu peux m'envoyer un petit coucou, quelque chose? Parce que je ne vois pas de demande, je ne vois rien. Il n'y a pas un instant pub pour faire un petit passage. Il y a les instants pub, frérot. Mais nous, les instants pub, on coupe le live, on revient. Ramous. J'arrive pas à partir du live, c'est addictif. La famille. Frérot, après on te prendra, c'est sûr. C'est juste que là, on essaye d'enchaîner. Il y a du monde. On essaye d'enchaîner les passages qui sont prévus. Anna, je te vois pas, frérot. Hein. Il va falloir que tu m'envoies une petite demande. Je vois qu'il y a Adil Rami, il est aux toilettes. Je vois qu'il y a Shana qui s'impatiente, qui va nous trancher la tête. Il est où? Frérot, je le vois pas, Nas. Il a commenté. Tu le vois, Poupée? Alors, attends, vas-y, on fait. Orna officiel. Non. Non. Je le vois pas. Peut-être, des fois, ça arrive, ça, quand tu suis pas quelqu'un, je crois. Non, un peu. Si, je te jure que ça arrive. Ça peut te profil, elle est comme ça. Mais oui, je connais. Non, moi, je savais pas. Je connais. Attends. Je vais essayer de régler ça. Peut-être que c'est pour ça. Est-ce qu'il me suit ou pas? Anas, frérot. Il a envoyé une demande. Ah, attends. Je crois que c'est parce qu'il ne me suit pas que j'arrive pas à le. Je l'ai vu, ouais. C'est bon, frérot. Je t'ai trouvé. I got it. Ouais, la famille. Ouais, frérot. Ça va ou quoi? Ça va ou quoi?
Et toi? Ouais, je t'ai galéré à me trouver ou quoi? Je sais pas pourquoi ton nom il venait pas. Ben voilà, je t'ai envoyé une demande. Je sais pas, c'est. Je suis live et je suis revenu. T'es dur à trouver, c'est pour ça. Ouais, je suis dur à trouver. C'est ça, l'état. Je suis à Hénin Beaumont, frérot, je suis à Hénin Beaumont. Tu connais Hénin Beaumont? C'est pas le coin de Camini, ça? C'est le coin de Marine Le Pen. Je suis quoi là-bas? Ah, son élor, en fait, je t'ai invité chez un sahab à moi, t'as capté? Et j'ai regardé un peu live et tout, j'ai regardé le magicien et tout. Voilà, t'as quitté les talents, t'as quitté les chanteurs. Ouais, quoi. Ouais, le magicien, il m'a régalé après les chanteurs. Ça, j'ai kiffé celle qui a chanté Mytho, là. Ouais. Après, il y avait qui? J'ai pas tout regardé. C'est, voilà, je te mens pas, c'est pas grave. Merci, frérot, en tout cas, t'es au top. C'est comment, toi, c'est au niveau musical? Ça envoie? Il y a des nouveaux projets qui arrivent, là? Ouais, bah là, j'ai sorti une réédition de mon album. Ok. Et ouais, en été, je vais sortir un petit single pour l'instant. Il y a un petit son avec les... qui va sortir normalement. T'es lourd. Eh, j'espère que je vais l'entendre avant tout le monde. Bah, demande à Leska, c'est lui qui a le son. Ah ouais? Eh, frérot, Caïs, je veux le son, frérot. Ça fait plaisir, mon frère, ça fait plaisir. En tout cas, à vous là. Je suis venu juste vous faire un petit coucou. On va continuer de l'été. Merci beaucoup. Eh, on m'a dit que t'es un Algérien, frérot. T'es un Algérien, toi? Eh oui, frérot. Moi, j'ai joué en Algérie et on est d'origine algérienne aussi. Pour le corps, on me l'a dit ça tout à l'heure, tu vois. Voilà, moi, je suis pas trop les trucs. Je regarde pas trop la télé et tout. Tu viens d'où en Algérie? Moi, je viens de Oran. Tu supportes le foot là-bas un peu? Bah, j'ai des sahabs qui jouent et tout, mais je regarde pas trop, t'as capté? Ok, j'ai joué au foot. Moi-même, j'ai joué, voilà. Ah ouais, moi-même, j'ai joué, mais je sais pas, je regarde pas, j'aime pas trop, voilà, regardez. Que la Ligue des Champions et tout. Ah, toi, tu regardes l'élite, frérot. Ouais, voilà. Bon, frérot, tu passes quand tu veux, t'es à la maison, merci beaucoup. Big up le sang, la prochaine fois. À la surette. Merci, mon ref. Merci. Ciao, frérot, ciao, à bientôt. Bisous, ciao, ciao. Il y a marqué prendre Pogba. Les gars, il n'y a pas là, Pogba. Shana, je veux entendre ton son. En plus, ce qui n'est pas là, on a des comptes à régler. Mais je crois qu'elle n'est même pas là. Elle est là ou pas? Regarde, envoie un message. Il a gagné la Coupe d'Algérie, John. Eh oui, les gars. Je vois bien en couple avec la soeur de John. Les gars, laissez ma soeur tranquille. Vous êtes des grands malades. Vous ne savez pas, vous. C'est bon, c'est bon. Arrêtez. Elle est sur le avec Shana. Elle est là? Oui, j'aime bien envoyer un message. Ok. Attends. Attends. Hein. Shana, je te vois pas. Ah, je sais pourquoi je te vois pas. Ah, bah attendez. C'est parce qu'on se suit pas. Comme des gamins. Hein? Le postillon? J'ai postillonné? Moi, j'ai postillonné. Hein? Ah, tu. T'es à goutte. Attends. Hein. Ah, c'est bon, elle est là. J'ai honte et tout, je suis un putain de gamin. Voilà ma surprise. T'es une mytho. Amis du soir, bonsoir. Bien le bonsoir. Bonjour. Attends, je recule un peu parce que du coup, je suis à peu près là. On va voir la limite mon estomac quand je parle. Tu sais pourquoi je te voyais pas? C'est rigolo? Est-ce qu'on rigole maintenant ou pas? Hein? On rigole maintenant? Fais pas la belle, tu viens de me suivre il y a quelques instants, toi aussi. Voilà, exactement. Bah voilà, donc ça revient au même. Je t'ai occupé, c'est tout. Ça va quoi? Qu'est-ce que t'as fait là? Je sais pas, moi, Ah, sur ma vie, j'ai changé de couleur. Je t'explique. Attends. Je t'explique. Alors là, dans l'idéal, si t'es d'accord, tu nous partages ton nouveau son, un morceau de ton nouveau son. Déjà, tu nous en parles un peu. Ouais. Comme ça, bah, tu donnes de la force à tous les chanteurs qui sont là. Et déjà, bravo, parce qu'il y a beaucoup de talent. Beaucoup de talent. J'ai vu un peu, j'ai dû quitter parce que j'avais d'autres choses à faire. Mais bravo. Bravo, ça, c'est déjà, moi, là, ceux qui sont là. Regarde, voilà la casteuse. Écoute-moi, ouais. Celle-là. C'est vrai, non, mais c'est vrai. En plus, je la vois des fois quand les gens ils chantent et qu'ils sont lourds. Ils chantent trop bien. Elle est là derrière, elle a un sourire, genre en mode. J'ai compris. Elle est trop fière. Bon, j'en profite que vous soyez là, enfin, que tu sois là, parce que lui, il bouge pas. C'est trop qu'il reste à la fin du live, quand tous les talents sont passés et que DJ Leska a donné sa réponse finale, je vous ai préparé quelque chose, tous les deux.
Parce que j'ai entendu dire qu'il y avait des unfollow, unfollow pas, nanani, nanana. Du coup, j'aimerais remettre les choses un peu dans leur contexte. En plus, il y a beaucoup de monde qui demande. Moi, ça m'intéresse. Du coup, ben, on va régler ça. C'était donc ça, la surprise. J'ai vu que j'ai repassé. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle nous prépare? C'est un guet-apens. Ma mère, c'est un guet-apens. Je vois ça. Ah, c'est vraiment un guet-apens. Genre en mode, mais c'est genre quoi? Mais c'est quoi? C'est un quiz. Un quiz? Mais un quiz sur quoi? J'ai tout préparé tout à l'heure. J'étais à fond pendant 3 heures entre les talents et votre quiz. J'en pouvais plus. Surprise. Bon, et on fait quoi? On le fait à la fin. Alors, on écoute tous les chanteurs. C'est ça. Et après, on le fera. Exactement. On finit vraiment le concours avec DJ Leska, avec tout le monde. Okay. Et surtout, on écoute aussi ta musique. T'as vu, je commence à me ranger les ongles. D'accord. Je tiens juste à dire que tu vis sous le même toit que moi. Si tu m'as fait un coup à l'envers. C'est pas... J'ai des amis, moi, qui peuvent m'accueillir. Commentez, s'il vous plaît. C'est bon, je vais lui mettre un coup. Elle va sortir de la maison, je vous le dis. DJ Leska, frérot, cours, Joe, il a dit. Les gars, il n'y a personne qui est avec moi. Je vois tout le monde qui commente. Joe, fuis. Joe, cours. C'est lui qu'on va mettre. Non, mais qu'est-ce que tu nous as préparé? Qu'est-ce qui nous attend? Allez, bon, vas-y, on verra. Bon, du coup, je vais écouter ma musique. Ouais, je vais faire écouter vite fait mon nouveau son. Comme vas-y. Ça, on peut laisser la place aux gens parce qu'ils sont là pour… Je vous mets le son et je l'explique après, ok? Vas-y. Dis-moi si t'entends bien. Tu peux approcher du téléphone? Tu vas l'entendre. T'entends? Monte. Ok, je m'enlève les écouteurs. Attends. Ça a un peu bugué, mais on a entendu et c'est lourd. Je t'avoue que c'est lourd. De toute façon, le son il est dispo sur mon Instagram. J'ai mis une petite partie. Et sinon, c'est sur YouTube. Je suis en train de le mettre sur les plateformes de téléchargement. Ça s'appelle Memories. Voilà, en gros, c'est une histoire, un peu histoire de ma vie. J'ai mis toute la traduction de la musique d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. Donc, vous pourrez retrouver. Ça parle de la vie, des choses difficiles par lesquelles je suis passée parfois. Et voilà, j'ai mis ça en chanson. Et du coup, voilà, donc un petit coucou pour tous les chanteurs. Et voilà. Bravo, bravo. Il y a tout le monde qui a dit t'aurais pu chanter en live, t'aurais pu chanter en live. Peut-être la prochaine. En fait, le problème, c'est que déjà, je peux faire un petit piano, mais après, tranquille. Voilà, j'aime ça. Un petit piano, mais après, parce que je sais que tout le monde attend. Ils doivent être là, stressés derrière leur téléphone. À la fin du quiz, vous fêtez le quiz parce que vous allez monter en pression. Ça dépend de la tournure, je te le dis. Et pour, en redescendant, en musique, en chanson. Voilà, ça dépend. Ok. Bon, vas-y. That's right. Bon, ben, tu nous donnes ton avis sur tous les talents qui passent. Il en reste combien du coup? Là, il en reste combien? 4. 3. 3. Ok, d'accord. 3. Vas-y. C'est bon? Allez, à tout à l'heure. Yes. À tout à l'heure. Bisous tout le monde. Bisous. Alors. Foutu dans la merde, guet-apens ce soir. Tom, tom, tom. Tom, 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 papette. C'est parti, prochain talent. Ah, j'ai reconnu le nom. Lui, il va me changer les idées. Lui, il faut savoir une chose, c'est que quand il est passé une première fois, donc il y a 2 semaines, ouais, un moment. À peu près, à lui, il m'a tapé dans l'œil. Il m'a envoyé un message. Tapé dans l'œil, musicalement parlant, s'il vous plaît, ne commencez pas. On va redescendre. T'as tapé dans l'œil. En tout cas, depuis tout à l'heure, tu as tapé dans l'œil, mais tu ne réponds pas. Frérot, on t'a envoyé une demande. Il t'a répondu? Oui, oui, parce qu'il m'a juste dit ça, mais vu qu'il était déjà dans le truc. Ah, peut-être qu'il est sorti pour revenir. Vas-y, alors à ce moment-là. Je vais envoyer une demande.
Il n'est plus. C'est pas grave. On va faire autrement. C'était fluide. Hein. C'était fluide jusque-là. Je veux voir que ça continue. Putain, voir que ça continue. Ah, est-ce que ça passe? Ou est-ce que ça casse? Jenny, elle a dit ça fait bizarre de te voir comme ça. Pourquoi? Je suis comment? C'est la faiblesse. C'est jamais de la vie. Allô? Allô? Salut? Salut. Ça va quoi? Ça va? Ça va et toi? Ça va la famille? Ça va. C'est comment? Vous êtes en cabriolet? Non, non. On est dans une Golf. Ah, ok. Vous êtes entre poteaux? Ouais. Comment tu t'appelles, mon veuf? Comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Nourdine. Ok, enchanté, mon frérot. Tu viens d'où? De Nice. Oh, poteau! 06. Où à Nice? Où? Je viens des Moulins. Ah, bon. Bon, je suis plus du côté. C'est Nice, c'est pas grave. Ça va, c'est bien. Je crois. Là, je suis dans les pins. Là, je suis dans les pins. Ah ouais, ça y est, c'est déconfinement, ça profite direct. Ah putain. Bon, c'est comment? Tu vas nous chanter quoi, frérot? On va faire un duo, en fait. C'est un son qu'on a écrit il n'y a pas longtemps. Ok. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Excuse-moi, petite parenthèse. Adil Rami, il parle de Fréjus, DJ Leska aussi. Kainassa, Metnis en force. C'est le Sud, les gars, ça représente. Mon frérot, je coupe les commentaires. Ouais. Je coupe les commentaires. Et on vous laisse et on vous écoute. Vas-y, c'est bon. T'entends l'instru? Monte un peu. C'est bon là? Mortel. Tu nous entends aussi? Tu nous entends? Je ne crois plus au je t'aime, moi je te dis de m'oublier. Le cœur meurtri, j'écris mes pages et la gorge nouée. Je suis devenu dur avec moi, un peu de temps je peux me lasser. Cette situation j'en veux pas, à tout moment je peux mettre fin. Je peux mettre fin pour mon bien, je peux mettre fin pour les miens. C'est toi je prendrai ça si tu veux pas, ben très loin. Loin de moi je veux pas de poison, mes côtés il me faut une lionne. Je m'investis pas sans raison, je garde la tête sur les épaules. Et si t'es pas sérieuse, ah, 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 et si t'es pas sérieuse, alors c'est pas moi qui te faut. Aucune perte précieuse, j'écris ce texte à fleur de peau. Et si t'es pas sérieuse, alors c'est pas moi qui te faut. Aucune perte précieuse, j'écris ce texte à fleur de peau. Et si t'es pas sérieuse, alors c'est pas moi qui te faut. Aucune perte précieuse, j'écris ce texte à fleur de peau. On passe à pris dessus, alors est-ce que je fais que de nier? Les histoires, les disputes me font trop cogiter. J'ai la haine depuis le début, donc je préfère t'oublier. Mon bali coup d'être déçu, mon seul but c'est de briller. Et moi je me barre, moi je me barre, j'en ai assez. Je veux plus te voir, j'ai arrivé ça tu le sais. Et moi je me barre, moi je me barre, j'en ai assez. Je veux plus te voir, j'ai arrivé ça tu le sais. Et leur clamour est mort, exil revit, je le tue encore. Les pensées s'accordent, les larmes retombent. J'étais à deux doigts de tout relâcher. Combien de fois j'ai fauté, failli tout gâcher. Sur un côté, je me laissais aller. Pour noyer ma haine, je n'aurais pas plié. Voir la douleur apaiser ma haine. Je vois que mes ardeurs de mon emprise, elles freinent. Dis-moi stop, si rapide est la vitesse. Les sentiments roses me rendent détresse. Bravo les potos. Merci. Bravo, hey, j'ai kiffé. Merci. Moi j'aime bien quand on mélange les genres comme ça, je kiffe. Franchement, bien joué. Merci. Les frérots. C'est beau, ça chante ensemble depuis longtemps? Ouais, on a commencé en 2017, 2018. C'est beau. Après on pose okay. Sur Insta. L'Insta il est là de toute façon? Ouais, l'Insta il est là en haut. Allez, super, écoute, merci, restez connectés. Ouais, on reste connectés, c'est bon. Ya, tiens. On ne va pas aller. Tiens, ambassadrice. Tiens, Gégi. Vas-y, les frérots, à tout à l'heure. À toutes, merci. Ciao, les frères. Il y a quelqu'un qui a dit ça me fait penser. Attends. Il y a quelqu'un qui a dit ça me fait penser. Loris, il est où? Je ne sais plus où il est. Loris, il a dit Corneille. Propre à Corneille. Ça me fait penser à Corneille. Il a dit Adil Rami, bravo. Le casting, les gars.
C'est elle, ça. Elle va se la raconter tout de suite. Kaina Samet, elle a dit bravo, c'est beau. Shana, elle a dit Lou, what the fuck, elle a dit Ramous, ça fait plaisir. Poupée, on en est à combien là? Il en reste deux. Donovan, Pololo, elle a dit. Donc on fait monter Leska. DJ Leska. Dans des SA. Léa, elle est en train de regarder, ça fait plaisir. DJ Leska, il est pas là? Je le vois, hop. Merde. DJ Leska, envoie-nous un petit coucou. En attendant. Attends, il nous manque. Qui nous manque? Il me manque pas surprise. Surprise et Miss Serbia. Miss Serbia, est-ce qu'elle est là, Miss Serbia? La débauche, c'était lourd. Merci frérot, bravo à eux. J'avoue que c'était lourd. Est-ce que Miss Serbia est là? J'ai quitté la cuvette. C'était un ouf, frérot. T'inquiète après. DJ Leska. Allez frérot. Ouais mon gars. Ouais, ça va ou quoi? Ouais. Tranquille. Ouais. Alors, ouais, excuse-moi, j'étais pas connecté là. Je suis parti checker Miss Serbia. C'est bon, j'ai vu, elle a envoyé un petit commentaire, je vais la prendre juste après. Du coup, ceux d'avant, j'ai pas tout écouté, j'ai écouté juste le début. Ouais. Et le mec, ouais, ça va, j'ai bien aimé. Après, problème de justesse un peu. Tu vois, je pense qu'il stressait un peu. Ouais, ça se voit. Ouais, il stressait à mort même. Mais bon, c'est pas mal. Le petit duo de sudistes, j'ai bien aimé. Tu vois, la dualité un peu. Tu vois, il y avait différents genres. J'ai bien kiffé. Tu m'as dit quoi? Excuse-moi. J'ai bien kiffé les deux sudistes, tu vois, qui étaient dans une vibe un peu, tu vois, un mélange sympa. J'ai bien aimé. Ouais. C'est juste avant, là. Ouais. Franchement, j'ai bien aimé. Ouais. C'était très sympa. Ouais. Bah, c'est deux qui te parlent, moi. C'est deux qui te parlent. J'ai bien aimé, il y a tout le monde, regarde. Léa, elle a dit Kaina, légende de la pop urbaine. Il y a tout le monde qui commente, il y a tout le monde qui joue le jeu. Mon gars, Sivirus, Six, Fréjus, ils sont toujours là. Tout à l'heure, t'as dit Fréjus, Nice, c'est un pote à moi, il s'appelle Fréjus, frérot. Ah ouais? Ah, je suis mort. Fréjus. En fait, son blase, c'est DJ Fresh, tu vois. Ah. DJ Fresh, Fréjus, et son prénom, c'est Fréjus. Oh merde, tu parlais de la ville, frérot. Tout à l'heure, t'as dit Fresh. Fréjus, Nice, Côte d'Azur. Je suis mort. ils ont dû éclater derrière leur écran. J'ai dû passer pour un teubé. Hey John, j'ai envie de faire gagner un cadeau aujourd'hui, frérot. Tu veux faire gagner quoi, frérot? Ce qu'on devait faire gagner hier. Malheureusement, on n'a pas pu le faire gagner hier. Mais moi, j'ai envie de le faire gagner aujourd'hui. J'en ai rien à foutre. T'es sûr? Mais il faut un palier. Frérot, c'est... On le met à combien aujourd'hui, le palier? Je t'avoue que c'est lourd, frérot. Je te mens pas. Un truc comme ça mérite les 10K. Je te mens pas, frérot. Ah ouais? Bah frérot, c'est énorme. Tu peux pas l'offrir comme ça à la valise. C'est ce que je pense. Ouais. Ah ouais, easy. Frérot, je te mens pas, c'est un truc de malade. Après, on peut couper la part en deux. On peut faire 7-8. Tu vas le couper en deux? Mais non, 7-8 là. C'est toi qui décides, frérot. Quoi, en deux, 5, 10. Moi, je suis chaud. Moi, je suis chaud de le faire gagner. Comme elle a dit Laetitia, 7-8K. 7-8K, je le fais gagner. Allez, 8K. Ou c'est la surprise. Mais bon, je pense qu'il faut leur dire. Faut que tu leur dises. D'abord, on monte un certain palier. Et une fois qu'on a passé, genre par exemple, une fois qu'on est à 5K, on annonce la surprise. Non, frérot, je t'explique. Moi, c'est mon avis. Vous me dites ce que vous en pensez. Regarde. Ouais. Il y a ici, il y a Kaina Samet. Il y a les Screech. Il y a tous les chanteurs. Il y a Kim. Il y a tout le monde. Tout le monde sait la valeur que ça a, le cadeau que tu veux faire, frérot. Quand tu vas l'annoncer là, ils vont péter un plomb, frérot. Par contre, partagez au maximum. Là, je viens de voir un commentaire. Il y a le producteur, il m'a écrit « pas ce soir ». Ah là, il va m'appeler, il va me dire « gros, pas ce soir ». Ciao, bah. Mais j'ai envie de dire qu'est-ce que je veux faire. Peut-être le dire, mais peut-être pas le faire. Tu peux le dire et même si c'est pas… Suspense, non, 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 même si c'est pas ce soir, tu peux le dire. Moi, j'aurais laissé le suspense. Momo, si t'es là, Six, si vous êtes là, les gars, dites-moi, est-ce que je fais durer le suspense? Ou est-ce que j'annonce maintenant? Ça va être lourd, je te dis avec toi. Sois prêt par la suite. Est-ce que tu veux que je fasse monter Miss Serbia le temps que tu réfléchisses? Après, je fais venir. Vas-y, j'appelle les potos, je vois avec eux, on se fait une petite conf. C'est bon, vas-y, à tout à l'heure. Demande si Miss Serbia elle est là. Et attends, dédicace à mon gars Loti Follow Me est dans la maison. Si t'es là encore, Loti, on va te prendre après, mon ref. Ça fait plaisir. À tout. Vas-y, à tout, frérot. Alors, Miss Serbia. Où es-tu? Alors, je te cherche.
je te vois pas. Est-ce que tu peux m'envoyer un petit message? Follow la poupée parce que peut-être que je la suis pas, c'est peut-être pour ça. Le cadeau, les gars, franchement, je vous dis la vérité, vous n'êtes pas prêts. C'est très très lourd, c'est un truc de malade, c'est bon, j'ai trouvé. C'est un truc de grand malade. Moi, à sa place, je sais même pas si j'aurais pu le faire ce cadeau, je vous mens pas. C'est pour ça que ça prend du temps. Ça va ou quoi? C'est live de fou là! Ça va ou quoi? Attendez, je vous respecte, je mets un petit filtre vite fait parce que nous on est des meufs naturelles, mais bon. Vas-y, vas-y, mets un filtre, mais. Tâche de rousseur, tâche de rousseur. Pouah, tout de suite! Grosse triche, grosse arnaque. Normal, c'est 2020, on sait comment ça marche. Vous allez bien? Et toi? Ça va, merci. T'es avec qui là? J'entends, il y a du monde de ouf. Ah, c'est la famille là. On est nombreux chez nous. Hein, c'est... Vous êtes où? Ah, c'est les Célestes. Il y a moitié S, moitié mélangé à VAP. Mais tu sais d'où on vient? Bah écoute, Scritch m'a dit que vous étiez croate. Voilà. Algérie, voilà. Mélangé aussi, Maghreb. Algérie. Alger. Bah, la vérité. C'est vrai, nous, mes frères. Ouais! Ils sont toujours partout de toute façon. De ouf, j'ai juré. Eh, vous êtes dans quelle ville là? Là, dans 94. Bah oui, dis-le. Si on donne l'adresse. Vas-y, là, on fait foire. Ouais, donne l'adresse. Il y a 4000 personnes qui vont arriver là. Ouais, ça arrive. C'est bon, vas-y, carré. Ils vont pas tarder. C'est comment? Ça va tout le monde ou quoi? Ça va, merci. Est-ce qu'il y a moyen de faire une petite chanson tous ensemble? Laquelle? Je sais pas, ce qui vous arrange. Vous voulez faire une chanson? Bah ouais, attends. Je tente ma chance. Allez, chante. Ah, attends, parce qu'il y a une copine là en ce moment, elle est en train de percer. Ah bon? On va lui donner de la force. Vas-y. Vas-y, non, mais mets le son. Mais c'est ta copine. Non, mais c'est sa copine. Allez, Safia, mets le son. Là, on le fait depuis longtemps. Mais elle est connue. Les gens, ils connaissent le son. Je pense que vous allez chanter aussi. Vas-y. Mais mets les paroles, parce que je connais pas le son. Attends. Attends, j'ai des enfants, c'est pour ça. Donne ton tel. Allez. Vas-y, Safia. Arrête. Ah ouais, je te demande d'en mettre un son. Faut pas être DJ, hein, parce que là, on va être dans la merde. Ça va, vous, sinon? Franchement, nickel. Je t'explique. Tu vois là, tu vois là, là, il y a 59K là. Ouais. C'est Didier Lesca, ça. Ouais, exact. Quand il va atteindre 60K, il y a une surprise de malade. Je le dis pas, c'est lui qui va l'annoncer. Tu sais quoi? Tu peux même pas imaginer le genre de surprise que c'est. Même moi, j'aurais pas été prêt. Vas-y, on va l'annoncer juste après la performance de ta copine. Vas-y, on va regarder ça fort. Allez. Tu chantes en même temps. Hein. Ouais. Vas-y, tu chantes. Allez. Moi je connais pas, je vais avoir. Moi non plus je connais pas, mais on va aviser. Alors comme ça, tu m'as trompé. T'as cru que j'allais pas capter. T'as changé parfois numéro comme si par lesquels t'étais recherché. Ok. Apparemment tu m'aimes pas. C'est une autre que t'aimes. Tu parles avec une Anissa. Mais moi je m'appelle Weshden. Tu pensais que t'étais sale. Et tu ardes ma vue. Ma vue. Tu n'as pas de principe. Principe. Je te jure sur ma vie. Ma vie. Me tromper avec ma cousine. Oh. T'as pas de valeur. Oh. J'ai appelé mon grand frère. Oh. Et il vient tout à l'heure. Tu me cherches, je suis plus là. Pour l'idée déterminée. À construire quelque chose avec toi. Attends, viens, on se justifie. On peut se justifier. Donc ça, 3 millions de vues. Hein. Non, mais 3 millions de vues, ça. Justifie. Ouais, c'est le tube de l'été, ça. C'est le tube de l'été. Je te jure. C'était lourd. Mais c'est incroyable. Est-ce que c'est déposé, ça? Eh, c'est une vraie fille, franchement, qui a fait beaucoup, beaucoup. De combien de vues? 3 millions. 3 millions de vues en un mois, je te jure. Mais sur ce son-là? Sur ma vie! Je crois pas. Je te jure. C'est quoi le son? C'est quoi le nom? T'as jamais entendu sa musique? Sur TikTok. Ah, sur TikTok! Elle a fait 3 millions de vues sur TikTok! Non. YouTube. Mais tout le monde fait des trucs dessus. Sur TikTok, sur ma vie, j'éternue, je fais 2,5 millions. Si le son il est sur TikTok, c'est qu'il a percé quelque part. N'importe quoi. Des conneries, ça. Eh! Mais qui l'a chanté? C'est ta copine? Ouais, non, c'est sa copine à elle. Et elle est là?
Elle devait venir, mais vas-y, tu connais, moi, c'est devenu une star. Oh putain! Ah putain, j'étais mal à l'aise. En fait, j'osais pas le dire, mais vous chantez très mal. Ah mais nous, on n'est pas dans la musique, on est dans l'humour. Il y a un petit problème. Oh, grâce à Dieu! Il y a un petit problème de réseau. Nous, c'est l'humour. On essaye. Non, c'est bon. En fait, parce que tu m'as dit, c'est ta copine. Tu m'as dit, ta copine, elle chante. Et que j'ai cru que c'était elle. Voilà, c'est ça, c'est la copine de ma copine. Ah, mes copines, mes copines. Non, franchement, lourd, grosse force à vous pour le live. Et, merci. Bon, bah, et franchement, bah, les gars, éclatez-vous bien. Gros bisous. Et restez connectés, vous nous donnez votre avis. Et puis de toute façon, vous revenez quand vous voulez. Direct. Avec gros bisous. Merci pour la force. Bisous. Bisous. Ciao. Chimo, eh, la vérité, en fait, quand elle m'a dit c'est ma copine, ouais, je pensais moi aussi. Je suis celle qui chantait derrière et quand je l'entendais chanter, je dis c'est pas possible. Non, 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 comment je fais? Comment je fais pour me sortir de cette situation? Grâce à Dieu, ce n'est pas elle qui a fait les 3 millions de vues. MDR, John, il a flippé. Ah, je te dis la vérité, je ne sais plus où me mettre. Caïs, frérot, je t'envoie une demande. Ne fuis pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je cherche un commentaire. D'accord, il reste combien de temps là? Deux. Mais là, il va falloir couper bientôt. Hein. Ah ouais, on va couper. Ben vas-y, on coupe et on attend. Ben, on voit si Caïs y répond. S'il répond pas, on coupe. Je vous explique. Oui. Hey, je vous explique. Oui. Sincèrement, le cadeau que Caïs va faire, il est dingue. Je vous jure que vous vous rappelez le premier soir, on a fait. Il n'y en a pas qu'un ? Il n'y en a pas qu'un. Ah ouais, Caïs, il est trop chaud. Il a envie de faire plaisir à tout le monde. Ça fait plaisir de ouf. Bon, je vais relancer le live, les gars. Là, on est 3009. Revenez. Je veux que vous soyez 3009. On va inviter encore du lourd. Il y a partager. Encore deux talents. Partagez un max. Partagez un max. DJ Leska. Il va nous faire un cadeau. DJ Leska. Vas-y, mets-moi son DJ Leska un peu. Qu'est-ce qu'on écoute? Vas-y. Mets-moi. Je sais pas, attention, comment... attention, Jonathan. Ne me sors pas encore des sons qu'on a écoutés toute la soirée hier. Non, non. Eh! Frérot, je t'envoie. DJ Caïs. DJ. On aura DJ. Hey, DJ. 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 Bah, vas-y, je reprends. Je coupe, je redémarre et on se retrouve tout de suite. Allez. Après une petite pause. Une petite pause, une petite page de publicité, de réclame.